Salut tout le monde, on dit quoi? J'espère que tous mes abonnés vont bien. Ouais, vous êtes en tas sur ma chaîne. Yeah! En tout cas, merci, merci, merci à tous ceux qui s'abonnent là. Merci énormément. Puis continuez de vous abonner, continuez de partager mes vidéos. Mais ce que j'aime le plus, c'est les likes. J'adore quand vous donnez des likes. Likez, commentez. Voilà, cette vidéo, c'est une vidéo prévisionnelle. Voilà. Ça se passe normalement en août, septembre. Mais moi, je fais déjà des prévisions. Voilà. Et je pense que Mola a de sérieux, 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 sérieux problèmes. Avec son premier en cette année 2019. Vous allez le comprendre au fil de cette vidéo-là. Voilà, je vais aussi me prononcer sur comment exploiter cet exploit de Didier Arafat. Voilà, ça sera rapidement une parenthèse. Et puis après, on va tomber dans le vif du sujet avec les problèmes de Mola et son premier 2019. On se prend juste après le générique. On partage la vidéo, les amis, et on s'abonne massivement. Et on active la cloche de notification à toutes les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Elle progrès, progrès à la base. Je procède à des virements, des virements. Bon retour les gars, voilà. Comme je vous ai dit là, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour mieux exploiter cet exploit réalisé par Didier Arafat et ses fans. Voilà, c'est le coupé décalé qui gagne. Mais n'ayez pas peur, ce ne sont pas des problèmes judiciaires que Mola. Ah non, soyez tranquille. Si vous voulez savoir de quoi je veux parler, vous n'avez qu'à suivre intégralement la vidéo parce que je n'aime pas ceux qui passent le temps à regarder 2-3 minutes et puis qui viennent commenter en commentaire et puis après ils regrettent là. Voilà, vous êtes beaucoup, je vous vois. Voilà, rapidement, Didier Arafat a réalisé un gros score. 2 millions de vues en 48 heures, c'est un exploit. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire et précédemment, son poulain l'avait fait. Réchiné, on dirait en une semaine. Mais lui, il a fait en 2 jours, 2 millions de vues. Et vraiment, c'est à féliciter et à encourager. Maintenant, pourquoi vous donner certains conseils pour mieux exploiter cela? Vous savez, un pays comme le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Voilà. C'est un pays anglophone. Ils connaissent bien Didier Arafat. Mais peut-être qu'ils ne sont pas au courant de ce que Didier Arafat a réalisé dans l'espace francophone. Voilà. Donc, le conseil que j'ai à vous donner. Le conseil que j'ai à vous donner, vous pouvez déjà aller vous abonner sur toutes les pages des stars nigérianes et ghanéennes. Voilà, même si vous connaissez les stars sud-africaines, en tout cas toutes les stars africaines, oui, anglophones là, abonnez-vous à les pages et prenez le lien de Moto Moto et allez le dispatcher partout là-bas, allez le verser partout là-bas. Voilà, quand ils vont voir le nombre de jours et le nombre de vues, ils vont comprendre que Didier Arafat, c'est quand même un gros, gros, gros poids lourd de l'espace francophone, de la musique de l'espace francophone. Voilà, c'est le conseil que je tenais à vous donner. Voilà, il me parvient d'un internaute qui a tenu à ce que je vous le transmets. Donc, faites-en bon usage. Voilà, prenez le lien de Moto Moto. Abonnez-vous à toutes les chaînes et les pages des stars anglophones africaines et dispatchez, versez le lien de Moto Moto là-bas. Voilà, actuellement, Moto Moto se comporte très bien et je vous suis. Je suis sûr, comme je dis plutôt, que si vous continuez à vraiment vous bouger, à vraiment mettre le paquet, il risque de faire un gros record en une semaine. Ça sera encore du jamais vu. Voilà, c'est très important de le signifier. Cependant, j'aimerais bien aussi que vous continuez à aller donner de la force à Princesse Rima et Nojo. Voilà, allez donner de la force à Princesse Rima, Nojo et acheter le titre, c'est la vie. Tous ceux qui me demandent en commentaire, Eritor, le titre de ton générique, c'est quoi? Le titre de mon générique, c'est la vie. Ceux qui ont chanté le morceau, c'est Princesse Rima featuring HT et Nojo. Voilà, le lien en description sous ma vidéo. Donc je compte vraiment sur vous donner de la force. Maintenant, on va parler des problèmes de Mola Ouma et son prix de mine 2019. En fait, quand je parle de problème, je parle de ce qui va se passer lorsque le concours sera ouvert. Voilà, parce que c'est un jeu. Mola même l'a déjà dit. Et quand on sait qu'un artiste comme Serge Bineau a lancé un défi aux artistes coupés décalés pour dire que cette année encore, en 2019, il est sûr de pouvoir remporter les prémudes. Là, il faut savoir que c'est chaud. Et là, c'est là que le problème de Mola, le boss Mola, commence. Voilà. Je sens que les prémudes 2019 seront vraiment, vraiment, vraiment chaud bouillant. Ils seront vraiment, 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 comment je vais dire ça? Ça va vraiment chauffer, quoi. Je vous explique pourquoi. Je vous dis que Mola et son prémude 2019 auront beaucoup, beaucoup de bobos cette année. Regardez déjà les sorties. Il y a Didier Arafat, il a fait sortir plein de sons. Donc lui, il est déjà bien en course. Il y a eu Débrouillé, Débrouillé de Serge Beno. Un morceau que je suis en train d'apprécier. Hein. Je suis en train d'apprécier actuellement. Au début, j'étais un peu mitigé. Mais
Il a cette, on va dire cette force-là aussi de nous convaincre au fil du temps. Et Débrouille Débrouilleuse, c'est une belle facture signée Serge Bino, qui est aussi dans la course. Et je sais qu'avant l'ouverture des Prémudes, il va lancer encore une bombe. Avant Débrouille Débrouilleuse, il a fait sortir des hits encore. Voilà, tel que, j'oublie le nom de ces concepts, elles sont tellement compliquées. Danser les côtés, l'angoulé, voilà, Zangoulé, en tout cas, il a fait sortir beaucoup de sons. Donc lui aussi, c'est un très très bon, très très sérieux concurrent pour les premiers 2019. Après, Serge Beno, on a Safara Lobiang. Safara Lobiang qui a tout cassé depuis fin 2018 jusqu'en 2019 et son Woyo Woyo contrôle encore. Franchement, l'année passée, il est passé juste à côté de l'objectif. Il est passé juste à côté de l'objectif, mais je pense que cette année, il est bien parti. Et déjà qu'il annonce encore les couleurs de son nouveau single, Amina, ah, franchement, il faut que les grosses têtes soient prêtes. Voilà, il faut que les grosses têtes soient vraiment prêtes. Parce que si elles s'amusent, elles seront détrônées cette année 2019. Ça, c'est Safara Lobiang. Et puis, son prochain single, Abougo, c'est pour bientôt. Donc, soyez branchés. Quand on finit avec Safara Lobiang, il y a Baby Philippe qui nous a envoyé Zinawa en featuring avec... comment il s'appelle là, Zaga Bombo, un morceau très intéressant aussi. C'est ça qu'on appelle la musique en fait, parce que Baby Philippe c'est un génie, ça faut le reconnaître. Quand on laisse Baby Philippe, on tombe sur DJ Mix. Voilà, on tombe sur DJ Mix. DJ Mix déjà qui a sorti son album de 19 titres et qui nous a dévoilé un seul titre, Twerk, qui cartonne fort. Moi je vous ai dit que pour l'instant là, c'est vrai, il y a Mina, il y a Moto Moto, mais mon coup de cœur, c'est Twerk de DJ Mix. Franchement, c'est un très très bon morceau, c'est un gros tube. Et il est très très bien lancé pour les Prémudes 2019 parce que je sais qu'après Twerk, il va envoyer encore avant les hostilités des Prémudes 2019. Et puis, il faut savoir avant que je continue, vous expliquer un peu ce qui va se passer les Prémudes 2019. Que, en tout cas, en 2019, je ne pense pas que les jeux sont déjà gagnés. Hein. Non, je ne pense vraiment, vraiment pas. Parce que cette année-là, c'est vraiment, vraiment chaud. Tout le monde est en train de bosser. Quand je laisse DJ Mix, je tombe sur, comment il s'appelle là, c'est un artiste coupé décalé qui me plaît bien avec son registre musical. Comment il s'appelle Venom DJ. Venom DJ, voilà, qui a sorti un featuring avec Kérosène, voilà, qui se comporte très bien aussi. Et le Kérosène lui-même en question, voilà, qui a cartonné, déchiré cartonné avec Victoire, Nanko, et bientôt son featuring avec les Brackets. Donc imaginez un peu que les premiers 2019, ce seront pas, ça sera vraiment pas du jeu. Donc actuellement là, les jurys ne sont pas encore connus, mais je sais que Moula, il a chaud parce que il sait que si les Prémudes sont donnés d'une manière, ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Donc, il a tout le temps de bien analyser encore l'actualité musicale. Parce que lui-même, il est aussi un truc en course parce qu'il a artiste coupé décalé. C'est vrai qu'il est homme d'affaires, mais il a artiste coupé décalé. Il a fait sortir sur le côté un morceau que j'ai déjà réagi dessus, qui me plaît aussi. Donc, il faut dire que le Prémudes 2019, ça va chauffer les gars. Sérieusement, Moula et Prémudes 2019, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça, je veux vous le dire. On va laisser Mola. On va tomber encore sur Kejivara. On va tomber encore sur Kejivara. Kejivara, je sais qu'il va envoyer encore bientôt. Lui, parce que lui, il est très, très, très. C'est l'un des artistes coupés de Galé qui est très inspiré. Ça, faut le reconnaître. Jalousie à part, fanatisme à part. Vous savez que Kejivara est l'un des artistes coupés de Galé les plus inspirés. Et ça, il faut le reconnaître et le respecter. Donc, après, Ipatamputu, voilà, toucher le sol. Je sais qu'il va envoyer encore. Qui se comporte très bien. Un concept qui contrôle quand on va en voie de nuit. Ça, faut le reconnaître aussi. Une autre chose, quand on laisse Kejivara, on vient maintenant, moi je dirais, les favoris c'est trop dit, mais ces artistes-là qui ont des âmes qui pourront leur donner les Prémudes 2019, il s'agit là bien de Ariel Chiné et de DJ Arafat. Voilà, vous savez que Erito dit vrai, je ne suis pas en train de mentir, voilà, je ne suis pas en train de vouloir changer le vote des fanatiques, mais c'est vrai que DJ Arafat a beaucoup de fans, Ariel Chiné a commencé à en avoir, et Serge Bédou, on n'en parle pas, Baby Philippe. Donc, ce sera vraiment une controverse très rude. Comment il s'appelle Ariel Chiné, il a chicoté avec Simpa. Il a chicoté avec Sommet. Et il est en train de tout bousiller avec Amina, qui est un tube mondial. Voilà. Donc, face à cela, son mentor, son ex-mentor, DJ Arafat, est venu avec le moto. Le moto. Qui a défié, pour ne pas dire déjoué, tous les pronostics. Voilà, il a tout bousillé ça. Donc, pour dire que Mola Oma, en tout cas cette année-là, on a les yeux sur toi, Erito a les yeux sur toi.
Et tout à l'heure, les histoires pour dire que rien n'est joué. Voilà, la course est encore longue. On a juin, on a même le mois de mai. On a mai, juin, juillet, août. Et maintenant, septembre pour les cérémonies des premiers 2019. Donc, la course est lancée. Chers artistes coupé-décalé, chers artistes Zouglou, parce que les premiers, ce n'est pas que le coupé-décalé. Bougez-vous. Voilà, bougez-vous. Celui qui sera le plus convaincant avant cette date-là va remporter les premiers. Voilà, mais pour l'instant, il s'agit bien, il faut le reconnaître, d'Ariel Chéné et de son ex-mentor Didier Arafat. C'était la vidéo du jour. Partagez-la et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Les gens ont pensé que Mola, hey, vraiment les gens. Ciao, ciao.